Bonjour à tous, bonsoir à tous, salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur la déontologie chrétienne, j'y arrive, et l'émission qui répand un esprit de foi dans votre maison. Amen. J'ai avec moi des vétérans des ministères ACER, j'ai le pasteur Isaac à ma droite, gloire à Dieu, j'ai le pasteur Darius avec moi et le pasteur Gentil, ma foi aussi avec moi. Nous allons vous parler du chrétien et les business, le chrétien et les affaires. Un sujet, mais extrêmement passionnant, pasteur. Amen. Un sujet très passionnant. Pasteur Isaac, un sujet très passionnant. Bonjour, apôtre. Merci pour l'opportunité. Amen. Que tu me donnes d'être dans cette émission Pendule à l'heure. Mmh. Effectivement, c'est un sujet passionnant, très important. Mmh. Et peut-être pour ne pas être long, on voit que dans Proverbes chapitre 21... veut que Dieu va dire que le juste a l'huile et la richesse, et que richesse, ouais, l'insensé va engloutir toutes ces choses-là. On voit déjà que Dieu place quand même quelque part la richesse, l'abondance, quasiment au même niveau que l'onction. Amen. C'est pour nous dire vraiment que ce thème est extrêmement important. Franchement, ton gilet est beau et le thème s'y prête. Amen. S'il vous plaît, mettez un peu le pasteur Isaac. Hein. Il est vraiment beau. Il est beau, son gilet. Je veux dire la même chose. Il est vraiment beau. Et là, on est sur le thème des business. Il a un gilet de businessman. Merci. Non, il est vraiment beau. Il est vraiment beau, ton gilet. Oui, pasteur Darius ou pasteur Gentil, en tout cas, tout dépend. Bah, merci, apôtre, pour l'opportunité. Amen. Je pense qu'effectivement, c'est un thème qui est très important, un thème qui a été pendant des années, pendant longtemps, méconnu par les chrétiens, parce que les affaires étaient dissociées justement de la justice, parce qu'on se disait que le juste devait vivre par la foi, et la foi était mal comprise, parce que vous voyez la foi comme le thème de pauvreté, alors que les affaires, le business, la richesse, l'abondance, la prospérité font partie justement de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Voilà. Ouais, pasteur Darius. Merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité encore une fois. Comme le pasteur Gentil vient de dire, je pense que c'est... on a très longtemps mis de côté, j'ai envie de dire, le thème des business et des affaires, en tout cas dans le milieu francophone. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, sans finances, il serait compliqué en fait de sponsoriser l'évangile. En fait. C'est vrai. Donc, or, les finances vont venir par rapport aux choses que nous allons entreprendre. En fait. Donc, on parlera là de business. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, quelque part, ça va freiner un petit peu la propagation de l'évangile. C'est en fait. Ça. Donc, aujourd'hui, en se concentrant un peu plus sur les business, quelque part, on est en train de donner une porte à la propagation de l'évangile. En fait. C'est ça. C'est Donc, ça. Je pense que c'est un sujet qui est très, très important par rapport pour le chrétien, en fait, tout simplement. C'est une nouvelle série, il va falloir démontrer déjà aux chrétiens qui nous regardent actuellement que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on renverse les forteresses et les raisonnements par rapport aux chrétiens et la pauvreté. Tout à fait. Non, je pense que la Bible va le dire dans le Nouveau Testament. On voit dans l'Ancien Testament comment ces personnages bibliques étaient dans l'abondance. C'est on ça, peut citer Abraham, David, Salomon, pas même d'autres rois, le roi Ozias qui a fabriqué les machines. Je pense que Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Il veut que ses enfants soient dans l'abondance. Dans Amen. Le Nouveau Testament, on voit que la Bible va nous dire Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et puis, on peut peut-être ajouter qu'il est important de définir la richesse, parce que c'est vrai qu'on va d'abord définir la richesse comme quelque chose de matériel. Or, c'est d'abord quelque chose de spirituel. C'est un état d'esprit, c'est une place même. Donc, c'est important peut-être de définir tous ces petits points-là par rapport à la richesse. Quoi. Et je pense également, la Bible va dire que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Comme le pasteur Isaac est en train de le dire, je pense que c'est d'abord un état intérieur d'abord, et que l'extérieur est le reflet de ce qui est déjà à l'intérieur. En fait. Et d'ailleurs, il a été démontré à plusieurs reprises, lorsqu'on a vu des personnes qui sont devenues millionnaires ou milliardaires d'un coup au loto, quelques années plus tard, ils avaient perdu en fait tout ce qu'ils avaient gagné. Pourquoi ? Parce qu'il faut que leur état intérieur corresponde à ce qu'ils ont à l'extérieur. C'est ça. Et tu nous enseignais souvent que notre capacité de gestion est déterminée par ce que nous sommes à l'intérieur en fait, et que ce que nous avons en fait reflète ce que nous avons à l'intérieur. Donc si nous voulons nous enrichir, il faut changer ce que nous sommes à l'intérieur. Donc encore une fois, pour appuyer sur le fait que le chrétien a besoin d'être riche, c'est que s'il n'est pas riche matériellement, c'est que quelque part à l'intérieur, il n'a pas encore
totalement été renouvelé. Effectivement, c'est simple, c'est que en fait, la richesse ou même la prospérité en soi n'a rien à voir avec l'accoutrement. Parce que très souvent, on va se dire, il faut que je m'habille bien, et la richesse en fait est liée à l'apparence. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la loi des apparences, mais la loi des apparences est liée à la foi et à notre système de pensée. Ça veut dire que si je n'associe pas la loi des apparences à mon système de pensée, j'aurai toujours beau m'habiller et investir beaucoup d'argent, ça ne fera pas de moi quelqu'un de riche. Et on le voit dans certains pays, notamment même le pays d'origine dont je suis issu, le Congo, on voit beaucoup de gens qui sont dans la sapologie, ce genre de choses, et qui vont investir beaucoup d'argent dans leurs vêtements, mais quand on arrive chez eux, on se rend compte que leurs vêtements ne sont pas le reflet de ce qu'il y a dans leur appartement. D'accord. Donc déjà, c'est une mentalité, c'est déjà de l'intérieur, avant que ça ne soit de l'extérieur. Est-ce qu'on peut donner des preuves aux gens que Dieu n'est pas pauvre, que Jésus n'est pas pauvre, et que Dieu ne veut pas alors que nous vivions dans la pauvreté? Bien sûr, parce que Dieu va dire l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà. S'il dit l'or et l'argent m'appartiennent, ça, c'est déjà une preuve que lui-même il est riche. Voilà. Parce que personne ne peut faire une telle affirmation sans être riche. Riche, c'est ça. Moi, je me vois pas aujourd'hui dire l'or et l'argent m'appartiennent et dans mon compte bancaire, je suis à découvert. Ça n'a aucun sens. Donc ce n'est même pas qu'une déclaration liée à l'espérance, c'est une déclaration de ce qu'il est réellement. C'est vrai, c'est vrai. Et puis la Bible, on sait que Dieu ne manque de rien. Il n'y a que les riches qui ne manquent de rien. C'est ça. Voilà, on ne peut pas manquer de rien et être pauvre en même temps. C'est contradictoire. Et Dieu ne manque de rien. C'est ça. Il a tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes vont dire que les riches comprennent mieux Dieu. Parce qu'ils vont forcément vivre une certaine réalité que Dieu a. C'est-à-dire le fait de manquer de rien pour équilibrer un peu, manquer de très peu de choses. Pour une personne, par exemple, qui n'est pas née de nouveau, mais un riche va généralement manquer de rien. Il va pouvoir avoir accès à ce qu'il veut, aller où il veut, faire ce qu'il veut, en fait. Donc, il va pouvoir concrétiser tous ses projets. Et en général, lorsqu'on regarde, Dieu ne manque de rien également. Or, un pauvre, il manque de tellement de choses. Il est tellement plus focalisé sur ce qu'il manque plutôt que sur ce qu'il a. Donc, je pense que le simple fait de savoir que notre Dieu, notre Père, ne manque de rien, il aimerait que ses enfants également ne manquent de rien. C'est contradictoire de dire notre Père ne manque de rien, mais par contre, ses enfants doivent manquer de tout. C'est vraiment contradictoire. C'est vraiment contradictoire. Et c'est même ce que dit la parole de Dieu, le temps que ça mijote. C'est même ce que dit la parole de Dieu. Parce que là, ça mijote, tu vois. Vas-y, passe. Le psaume 23 va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, c'est totalement lié. Et Paul va le dire dans, je pense, c'est Philippiens 4, verset 19, il va dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. Donc, ça montre que déjà, Dieu est riche. Et dans le fait qu'il soit riche, qu'il soit Jéhovah Jiré, en pourvoyant, il va pourvoir dans sa capacité illimitée qui est la sienne. C'est vrai. Et quelqu'un qui est pauvre ne peut pas avoir dans sa cité des rues pavées d'or. Impossible. C'est impossible. Il va déjà commencer par prendre ses torts pour manger déjà. Voilà. C'est ça. Au ciel, c'est des rues pavées d'or. Ouais, c'est quand même une image qui est très forte parce que des rues pavées d'or, ça veut dire qu'il marche sur l'or. C'est ça. C'est un symbole fort. C'est pour dire qu'il est au-dessus même de la richesse. En fait. C'est ça. C'est qu'il marche dessus. Voilà, c'est que quelque part, ça me rappelle ce que la Bible va dire à propos de Salomon, qu'à un moment donné, le pays était devenu tellement prospère que même l'argent était devenu comme des cailloux, en fait. C'est ça. Et les gens marchaient dessus. Et je pense que nous devons arriver à ce niveau où nous acceptons la vérité telle qu'elle est dite dans la parole de Dieu. C'est ça. C'est pas parce que des gens n'arrivent pas à s'enrichir ou bien qu'ils ont longtemps vécu dans la pauvreté que ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons riches, mais que nous soyons à l'aise. Et j'aimerais aussi parler d'un autre aspect. Souvent, quand on parle richesse, on pense argent. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous ne soyons pas dans le besoin. Comme il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime bien, en anglais, on dit, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ça veut dire, je ne me trouverai pas à un moment donné en train de désirer avoir quelque chose, vu que j'aurai tout. Le but de Dieu, ce n'est pas forcément de nous donner de l'argent, c'est de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Or, le moyen pour pourvoir à tous nos besoins, ça passe des fois par l'argent. En fait. C'est ça. D'où le fait que ne pas être riche et dire que Dieu pourvoit à tous tes besoins, c'est un peu contradictoire. C'est contradictoire. Et puis même la richesse aussi, on va le voir, va éradiquer pas mal de problèmes. Yes. C'est vrai que celui qui est riche ne pense pas à certaines choses. C'est ça. Ça veut dire que sa tête est reposée. C'est vrai que tout ce qui va être lié peut-être à sa santé, en partie, il ne va pas y penser. Parce que même des problèmes de santé peuvent être résolus grâce à la richesse. Ça veut dire que quand j'ai de l'argent, je suis tellement tranquille qu'il y a certains problèmes ou certains maux que je ne vais pas ressentir. Alors que le pauvre,
va avoir certains problèmes qui vont ressurgir à cause de ça. Le titre de Dieu aussi, c'est le roi des rois. Le roi des rois. On sait que les rois sont riches parce qu'ils disposent de beaucoup de choses. Amen. C'est qui ce roi qui est le roi des rois, mais lui dispose de rien et il est pauvre. Non, mais c'est On ne sait pas ce qui arrive au pasteur Isaac. Cette habitude, il est très loquace. Je les écoute. Non, mais en fait, c'est vrai que la notion de richesse, comme on l'a dit, ce n'est pas d'abord le matériel. Et je reviens quand même un peu sur le proverbe 21-20 qui va associer l'onction à... comment dire ça, la richesse. Je pense que la richesse, c'est encore une fois vraiment un état d'esprit. C'est comment dire ça? C'est un état d'âme, c'est un état intérieur. Je pense que c'est d'abord ça, la richesse. On voit qu'à un moment, Salomon a pu accumuler. Mais au bout d'un moment, on peut voir que Salomon n'était pas riche, en fait. Donc, quelqu'un qui est même, qui a du matériel, peut se retrouver avec des besoins, peut être vécu comme quelqu'un qui est pauvre. Je pense que tout part, la richesse, c'est d'avoir quelque chose d'intérieur. On peut même dire qu'un juste peut choisir. Il faut quand même le dire. C'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est d'abord une place. C'est d'abord une identité, la richesse. Donc, le juste peut choisir d'être dans l'abondance ou de vivre avec le minimum. Être même parfaitement approvisionné. On le voit avec Élie, avec plein d'autres. Ce n'est pas d'abord une affaire de matériel. Donc, quand le pasteur Isaac parle bien sûr de Salomon qui s'est appauvri à un moment donné, ce n'est pas matériellement. C'est dans la distance que Salomon a eu avec Dieu. La prospérité, elle est d'abord dans l'esprit, C'est-à-dire notre esprit, il doit vraiment prospérer en ayant une communion permanente avec Dieu et en étant rempli de la parole de Dieu. C'est là où notre esprit prospère. Notre âme aussi prospère lorsqu'elle est remplie de la parole et que nos émotions sont maîtrisées, contrôlées, que notre caractère est vraiment rempli de la parole de Dieu. Et après cela, matériellement, il y a maintenant des choses qui vont suivre. Amen. Effectivement, moi, j'aime bien vraiment ce que l'apôtre vient de dire. Après, les choses vont suivre. Je pense que c'est quelque chose de fatal. Je pense que c'est pour ça que Dieu va vraiment dire, là c'est Salomon, je prends un proverbe qui va dire, le juste, il dit bien le juste, il y a des trésors précieux, il y a de l'huile dans la maison et de l'huile. Donc on voit vraiment qu'il lit les deux. Il lit vraiment le Dieu. Je pense que quelqu'un qui a l'onction, qui est bien à l'intérieur, aura forcément l'abondance. Et ça fait même que cette personne n'a même pas besoin d'accumuler. J'aime bien, c'est un homme de Dieu qui parle de ça, que Élie était parfaitement approvisionné. Et ça nous montre comment on peut ne pas accumuler, mais le fait d'avoir un état d'esprit, être au beau fixe, ça veut dire on est loin. Ça veut dire on peut, les choses peuvent venir seulement par nous. J'aime bien ce que Paul va dire dans Éphésiens 3:20. Celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons par la puissance qui agit en nous. Donc, on voit quand même la richesse, c'est d'avoir quelque chose de spirituel. Parce qu'effectivement, on peut même avoir du matériel, des finances, mais être dans les besoins. On peut même être malade et ne pas trouver les solutions. Or, je pense que quelqu'un qui est d'abord dans un état de quiétude, comme on l'a vu, qui est d'abord moins vraiment à l'intérieur, au beau fixe, déjà, c'est quelqu'un... Ça fait même que cette personne-là, parfois j'oublie même de manger, il ne parle même pas à ces choses-là. Il y a une abondance d'abord intérieure. Je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus, que la richesse est d'abord quelque chose de spirituel. OK, mais ça on va insister. Je t'inquiète pas. J'aimerais juste ajouter par rapport à ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'était de démontrer que Dieu est riche. Dieu est riche, Et après, de démontrer que Jésus est riche. Et après, de démontrer que Dieu ne veut pas que nous soyons... Moi, j'allais parler de Jésus. En fait, c'est ça le but. Moi, je vais aller dans ce sens-là, justement. Et la richesse, comment devenir... Ça, on va parler de ça. D'accord. La richesse intérieure, tout ça, on va parler de ça. Parce que, en fait, si on n'arrive pas à démontrer que Dieu est riche et que Jésus n'était pas pauvre, on aura du mal à démontrer que nous aussi, Dieu veut que nous soyons dans le même état. Et après, maintenant, on va embrayer sur la richesse, comment l'avoir, comment se programmer à être riche. Oui, je veux vraiment rebondir par rapport à ce que je viens de dire. Oui. C'est vrai qu'il y a des aspects, on peut voir qu'il avait un trésorier. Ouais. On voit quand même, il n'y a que quelqu'un de riche quand même. Donc là, on va déjà à Jésus. On revient à Jésus. D'accord, on va déjà
quand même on parle déjà à Jésus. Enfin, pour montrer que Dieu est riche, Jésus, ouais. Bah, il est Dieu, Jésus. Bon, Jésus. En fait, c'est que Jésus montrait qu'il était riche. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un trésorier. L'aspect que je vois... Bon, tu ne peux pas avoir un trésorier pour pouvoir gérer 20 000 francs CFA ou pour gérer 30 euros. Ça, c'est vraiment... Bon, on montre l'abondance. Mais je veux quand même revenir sur l'aspect de la spiritualité, la richesse. On voit quand Jésus, s'il y a que quelqu'un de riche qui peut nourrir plus de 5000 personnes. Et on sait souvent dans les réunions, il y a plus d'âmes, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Donc il a pu nourrir plus de 10 000 personnes avec les enfants, ainsi de suite. Mais on ne nous montre pas qu'il va, il va dire à, peut-être à Pierre, à Jacques, tenez peut-être 10 000 dollars, allez acheter du pain et du poisson. C'est-à-dire, il est là avec ce qu'il est. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect de la richesse. C'est sûr qu'on peut voir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, comme on l'a vu. C'est la richesse. Mais on voit quand même que la richesse, c'est d'abord quelque chose de spirituel. On voit que Jésus, pour nourrir les 10 000 personnes, il ne sort pas l'argent. Il ne sort pas, j'ai une poissonnerie, j'ai une boulangerie. Il est là. Il prend une matrice et il fait le miracle. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ça, cet aspect de la richesse d'abord, que Dieu, Jésus nous montre qu'il était riche de par l'onction, de par la grâce qui était dans sa vie. Qu'avec cette grâce-là, on peut finalement avoir tout le matériel qui existe. En fait, c'est vraiment cet aspect que je voulais aborder. Ok, parfait. On va revenir sur Jésus. Comment vous pouvez me démontrer concrètement que Jésus était riche? Bon. Je voulais parler d'abord, finir avec Dieu, comme on avait... D'accord, avec Dieu, ok. Je vais aller... On était sur Dieu. On était sur Dieu, pasteur Isaac. En fait, l'autre chose aussi... On est sur Dieu, on fait preuve de patience. ce que le pasteur Jean-Tu tout à l'heure a dit était très intéressant, parce qu'en fait, on va se rendre compte que la richesse va chasser la religion. Dieu veut que nous soyons riches, parce que Dieu est riche, premièrement, et parce qu'il y a des fois des sujets de prière qu'on a, qu'on n'est pas censé avoir, en fait. Celui qui va prier, par exemple, pour avoir une voiture, pour avoir une chemise, pour avoir, je ne sais pas, des choses matérielles, on n'est pas censé les demander. D'ailleurs, Jésus va l'expliquer en disant qu'on n'est pas censé demander ces choses-là. Ce sont les païens, qui s'inquiètent. C'est le basique. C'est le basique, en fait. C'est-à-dire que donc c'est des choses que nous sommes censés avoir, parce que si Dieu considère que nous sommes censés avoir ça, alors que les païens considèrent que ceux qui ont ça, c'est les riches, alors que c'est que nous sommes censés être riches, c'est en fait. Donc du coup, il y a des prières, par exemple, on va demander une voiture, on va demander avoir un appartement, et on va penser vraiment que ça vient du cœur, qu'on est sincère. Or, ça crée la religion, c'est un état de pauvreté qui crée la religion, finalement, qui nous éloigne vraiment de Dieu. Et là, on va se retrouver à prier, à demander des choses qu'on n'est pas censé demander, on va se croire humble, en fait, alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc ça, c'était pour expliquer que Dieu nous veut riches pour que nous puissions sortir de la religion. Donc après, sauf si je vais rajouter par rapport à Jésus. Oui, non, on va parler par rapport à Jésus. C'est important que vous puissiez correctement suivre cette série. Vous savez, on va vous dire des choses graves. Mais... Vous comprenez? Des choses vraiment graves par rapport à notre temps. Vous suivez? Moi, je suis convaincu que je suis appelé à préparer les futurs milliardaires. Vous comprenez? Qui vont être dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète avant le retour de Jésus. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'église que le Seigneur viendra chercher, c'est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais arrêtons-nous déjà, vous comprenez, à glorieuse. Tu ne peux pas être glorieuse si tu n'as pas les finances, en fait. Vous comprenez ça? Parce que la gloire, quand on va étudier c'est quoi la gloire, vous allez voir, quand on parle de Salomon et sa gloire, on parle aussi de la richesse de sa vie. Et donc, le sujet que nous sommes en train d'aborder va certainement vous mettre sur l'autoroute du millionnaire. C'est pour ça que vous devez suivre attentivement ce que nous vous disons. On va vous donner les arguments bibliques. Donc, on essaie de vous démontrer que Dieu est riche. Vous suivez, Dieu n'est pas pauvre. Maintenant, on va vous démontrer que Jésus était riche et qu'il n'était pas pauvre. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus était pauvre. Et ils vont prendre le verset qui dit « Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. » Mais en fait, ce que Jésus avait sur la terre, comparé avec ce qu'il avait au ciel, je suis désolé, on peut considérer cela comme de la pauvreté, parce qu'au ciel, il avait bien plus. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans votre quartier, vous gagnez par exemple 10 000 euros par mois. Et vous vivez bien, en fait. Vous suivez? Mais je suis désolé, en face de Bill Gates, vous êtes un pauvre. Non, ça. Je ne sais pas si vous voyez ça. Yes. Amen. Non, en face de Bill Gates, vous êtes un pauvre. Parce que lui, pendant que vous gagnez 10 000 euros par mois, lui, c'est des millions. Vous comprenez qu'il gagne des milliards qu'il gagne par mois. Exactement. Après, il y a l'argument que vous avez évoqué tout à l'heure, disant que
Quelqu'un ne peut pas avoir un trésorier et être pauvre. Mmh. Et en plus, quand on voit les personnes qui accompagnaient Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'était quand même des personnes influentes dans la société dans laquelle ils étaient. Mmh. Et quelqu'un ne peut pas être accompagné par des personnes influentes sans lui-même bénéficier aussi des finances qui accompagnent ces personnes-là. Donc déjà, ces arguments-là. Mais il y a un argument aussi quand même qui nous montre que Jésus est riche, c'est que Jésus sait où se trouve l'argent. Mmh. Jésus va dire à Pierre, pour payer les impôts, va pêche le premier poisson. Ça veut dire que Jésus n'avait aucun problème de trouver là où était exactement l'argent. Yes. Et pour moi, la richesse est aussi liée à ça. Le riche aujourd'hui sait où il doit investir pour avoir l'argent. Amen. Et Jésus savait où il devait investir. Amen. Il devait trouver le premier poisson. Ça veut dire que Jésus, dans sa mentalité, savait exactement où se trouvait l'argent. Et pour moi, il n'y a que des personnes riches qui peuvent savoir où se trouve l'argent. Donc c'est un argument de poids pour montrer que Et c'est même la particularité des personnes riches. Hein. Ils savent parce que c'est même, c'est même la particularité. Parce que quelle est la différence entre le pauvre et le riche? C'est que le riche, c'est là où il y a l'argent. Amen. Le pauvre n'arrive même pas à voir là où il y a l'argent. Amen. C'est ça, merci. Et j'aimerais aussi encore parler d'un autre argument pour revenir vraiment... Après, on va donner la parole au pasteur Isaac. Au début de la vie de Jésus. C'est-à-dire vraiment au début. Jésus doit naître. Et voilà, Marie et Joseph sont en train de se diriger vers... Bethléem, ouais. Voilà. Et du coup, pourquoi il se dirige là-bas? Parce que l'empereur a demandé le recensement. Mm. Il a demandé que chacun aille dans sa ville natale pour pouvoir en fait se faire recenser. Pourquoi? Pour payer l'impôt. C'est ça. Les gens pauvres ne payent pas d'impôt. Ils n'ont pas, vont pas se faire recenser pour payer d'impôt. Déjà, ça veut dire que les parents déjà de Jésus devaient payer l'impôt. Donc ils vont se déplacer là-bas pour payer. Ils vont arriver à un moment donné et on va souvent dire que Jésus est né dans une mangeoire parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Or, ils ont cherché de la place à l'hôtel, il n'y avait plus de place. C'est ça. Mais pourquoi il n'y avait plus de place? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient en même temps. C'est et ça. Du coup, tous les hôtels avaient été pris en fait. La Bible ne dit pas qu'il est né dans une crèche parce qu'il est pauvre. Il était pauvre, en fait. La Bible dit, c'est clair, hein, là-dessus, il est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels. C'est ça, en fait, que la Bible dit. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est né dans une mangeoire parce qu'il était pauvre, donc il ne pouvait pas regarder là où il est né. Il est né dans un endroit modeste, machin. C'est comme si Bill Gates arrivait ici, tous les hôtels sont complètement fermés. Vous suivez? Et le seul truc qui est ouvert, c'est un Airbnb dégueulasse, tout ça, il est obligé de dormir là-bas. Est-ce que vous suivez? C'est même ça, pas, en fait. Même tout est fermé, il n'y a qu'une voiture. Donc voilà. C'est sa voiture. Et c'est sa voiture, c'est une Fiat. Voilà. Une Fiat. On va dire que maintenant il est pauvre. Non, pas du tout. Justement, comme pour dire en fait que c'est pas parce qu'il est né là-bas qu'il était pauvre. Et ensuite, il y a une chose qu'on oublie souvent, et j'ai médité beaucoup sur ce passage. Lorsque les mages vont venir, là encore, il y a deux points. La Bible dit qu'ils vont, ils entrèrent dans la maison. Ils ne sont pas rentrés dans la mangeoire parce qu'ils sont rentrés dans une maison. Le temps que les mages viennent, Jésus était déjà dans une maison. C'est ça. La maison sortait d'où? D'où venait cette maison? Les parents avaient déjà soit acheté, soit fait construire une maison ou sinon loué. Mais pour ça, de toute façon, il faut de l'argent. Voilà. Quand ils vont arriver, ils vont donner de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Ce qui veut dire que les mages, quand vont arriver, vont donner de l'or, en fait. La Bible ne précise pas sur la quantité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait de l'or. Ce qui veut dire que déjà, pendant une certaine période de sa vie, il avait suffisamment pour pouvoir à tous ses besoins. Et c'est peut-être même cet argent qui a financé le voyage en Égypte. En plus de ça, c'est que les mages... vont se déplacer, c'est des personnes quand même qui étaient, comme tu nous as enseigné, en fait, qui se déplaçaient à plusieurs. C'était des rois. Pour que des rois aillent voir une autre personne qu'ils considéraient comme un roi, parce qu'ils disaient qu'un roi est né, ils sont venus donner des présents à des rois. Parce qu'un roi sait comment on vient le voir avec des présents. Donc il comprend cette mentalité de donner des présents, en fait. Ce qui veut dire que je ne pense pas qu'ils ont donné des petites quantités le nombre qu'ils étaient. Sachant en plus que Marie vient de la lignée de David. Joseph aussi. Donc, des deux côtés, ils étaient riches. Ils avaient on parle souvent de Salomon, mais Salomon s'est enrichi sur la base des conseils de son père. Ce qui veut dire que son père lui a appris comment chercher l'argent, où trouver l'argent. Donc, David était déjà très riche, en fait. Et donc, du coup, toute cette richesse, je pense qu'elle a traversé les âges, parce que même aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont encore des richesses depuis Napoléon. J'ose imaginer qu'à l'époque, la richesse aussi avait traversé et que l'héritage, en fait, depuis
David. Donc, ce n'est pas possible. Déjà, Jésus est né dans une famille riche. Mm-hmm. Les deux parents étaient riches. Mm-hmm. Lui-même, on l'avait enrichi à sa naissance. Il est de lignée royale. Donc, comment dire déjà une personne qui est de lignée royale, son mm-hmm. père est riche, sa mère est riche, lui-même, on l'a enrichi quand mm-hmm. il était petit. Mm-hmm. Comment va-t-il commencer par devenir pauvre? Mm-hmm. Tout à fait. Non, mais franchement, c'est des arguments assez pertinents. Non, mais on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup. Hein. On va les finir. Vous inquiétez pas. Il y a vraiment ceux qui viennent de dire, bon, je veux commencer peut-être parler de l'aspect matériel de la richesse de Jésus. On voit dans Marc, je pense, chapitre 1 ou chapitre 2, qu'il avait une maison, effectivement. Quand on va prendre à Capernaüm, effectivement, le monsieur qui va être mettre sur le toit, c'était la maison du Seigneur Jésus. Donc, il avait une maison, il était riche. Donc, il y a cet aspect-là, il est quand même d'une lignée royale. Donc, on imagine quand même qu'il y a un certain héritage. Il y a ça. Mais je reviens quand même sur l'aspect de la mentalité, la richesse de Jésus. Non, parce que le pasteur... On va revenir sur, parce qu'on a des arguments encore que Jésus était riche. Il y a déjà l'argument de la maison. On voit dans Marc chapitre 1 qu'il avait une maison. Et puis, mais on voit quand même que il était tellement rempli. Je ne sais pas, on dit qu'il savait, on dit que les riches savent trouver l'argent. Mais j'ai l'impression qu'il avait vraiment cette mentalité-là. En fait, je ne sais pas. Il n'y a que quelqu'un qui est dans une famille royale, en fait, qui a cette mentalité de l'abondance. C'est un peu cet aspect-là. On voit qu'il y a déjà, sur le plan physique, Jésus est d'une lignée royale. Et quelqu'un qui est d'une famille royale... Et sur le plan de la mentalité aussi. Il ne pense pas désert. En fait, il ne pense pas qu'il y a un manque. Il est dans l'abondance. Comme on prend un prince de la famille royale en Angleterre. Il ne pense pas que le pain va manquer, des choses comme ça. Il a ça dans sa mentalité. Sa pensée est comme ça. Et on le voit quand même avec Jésus. On voit qu'il est issu. Il est le fils du roi des rois déjà, sur le plan spirituel et sur le plan physique, il est quand même la lignée royale. Mais il va marcher surtout avec cette mentalité-là. Ça fait que je pense pas qu'il regardait beaucoup plus physiquement, tiens, il y a ceci pour dire qu'il est dans l'abondance. Il avait cette mentalité de l'abondance. C'est ce qui fait que quand il se retrouve effectivement pour payer, les impôts, les taxes, mais il sait qu'il a. Moi, c'est vraiment quelque chose. Il est riche. Il est convaincu qu'il est riche. Il n'en est pas convaincu parce qu'il voit. Et ça, c'est important. On voit comment ces choses-là sont attirées vers lui. Quand il fallait payer les impôts, et ainsi de suite avec Pierre, il dit à Pierre, va regarder dans le vent du poisson, il y a un miracle. Face aux 5000 personnes, il a cette mentalité-là. C'est pour ça, d'ailleurs, on le voit dans le désert. J'aime trop comment tu dis ça. Il y a un ventre là-bas. Ouais. Dans le... va voir dans le ventre. Et puis, il y a un autre argument, parce qu'on va beaucoup plus lire, il avait ceci. Dans le désert, on prend Luc 4, comment il était investi, rempli de cette mentalité d'abondance. Le diable va lui dire... adore-moi, je veux te donner toutes ces choses-là. En fait, les richesses, il va refuser parce qu'il savait, il avait la révélation de l'abondance. C'est ça. Il savait qui il était, d'où il venait. Parce que c'est quand même important. Parce que beaucoup de gens, ils vont se dire qu'ils vont même confesser la pauvreté parce qu'ils ne touchent pas. C'est ça. Et enfin, moi, j'ai pu expérimenter ça. Bon, on peut même parler d'habillement et tout ça. Il y en a qui essaient de s'habiller, machin, parce qu'ils se disent non, j'ai pas. Non, parfois, on peut. Quelqu'un pourrait le dire. Parfois, je m'habille. C'est une confession. J'affirme ma royauté. C'est ça. L'habillement est une confession. Parce que beaucoup de gens se disent non, je n'ai pas un peu. Qui t'a dit que tu n'as pas? Beaucoup de gens, je ne suis. Dieu dit que nous sommes, nous avons. Spirituel, nous sommes issus d'une famille royale. Amen. Nous sommes riches. Donc, même le fait de s'habiller, c'est une confession, dire je peux. Moi, je le vois, je peux m'habiller, parfois ça vient et tout ça passe. En revenant sur les marques, les gens pensent que... vais quand même dire quelque chose que. En fait, c'est une pensée. Jésus va quand même dire quelque chose de très fort à ses disciples. Il va dire pendant tout son ministère, quand il arrive à la fin, que vous n'avez manqué de rien. Mais comment Jésus a pu dire à ses disciples, durant tout son ministère, ils n'ont manqué de rien? Ça veut dire que Jésus avait suffisamment pour s'occuper de ses disciples. Ils étaient 12. Ils étaient 12.
étaient mariés des gens, et qui avaient des enfants. Exactement, qui les suivaient. Jésus va dire que durant tout son ministère, ils n'ont manqué de rien. Mm. Ça veut dire que Jésus avait suffisamment pour s'occuper de ses disciples et des familles qui accompagnaient ses disciples. Il y a autre chose aussi, c'est que quand Jésus, le jeune homme riche, vient voir Jésus, le jeune homme riche, Jésus va dire, va, vends tout ce que tu as et l'argent que tu as, donne-le aux pauvres. Mm. On sait que Jésus va dire, vous aurez toujours des pauvres. Donc déjà, il ne s'est pas identifié aux pauvres. Il ne s'est pas identifié. Il dit, vous aurez toujours, des pauvres avec vous. Voilà. Il ne s'est pas identifié aux pauvres. Il ne s'est pas identifié. C'est pas autre chose, c'est que quand il discute avec le jeune homme riche, on se rend compte qu'il est riche. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas envier l'argent du jeune homme riche. C'est ça. Celui qui est pauvre va se dire, mais j'ai quelqu'un de riche comme qui vient me voir. Investis en moi. Or, Jésus va le dire, va, vends. Et l'argent, en fait, il ne regarde même pas l'argent de ce jeune homme parce qu'il est déjà dans l'abondance. Donc, en fait, l'argent de ce, jeune homme ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est bien plus. Et il va même lui dire, en fait, va, vends tout ce que tu as, parce qu'il savait qu'il allait l'enrichir par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'il savait déjà comment enrichir les gens. Et cette richesse-là était déjà en lui. Donc, il savait que le jeune homme riche n'allait pas être pauvre en venant avec lui. Et si je peux vite faire rebondir sur ce qu'il vient de dire, il y a vraiment, moi, j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit, la richesse par rapport au spirituel. Quand il envoie les disciples deux à deux. Il leur dit ne pas prendre de sac et toutes ces choses-là. Mais la Bible ne nous dit pas clairement, peut-être qu'il va leur donner l'argent pour la mission. Il dit ne prenez rien. En fait, pour leur dire qu'en fait, quelque part, le fait que peut-être vous soyez dans le ministère, il y a quelque chose qui est avec vous, qui fera en sorte que vous, vos besoins soient pourvus en mission. Parce que c'est ce qu'on voit encore une fois. Il y a pas le, on ne voit pas des transactions, le matériel. Il dit ne prenez rien. Ne prenez même pas. Allez. Vos besoins seront pourvus. On voit quand même que le fait d'être dans un état, une position spirituelle, ça attire les richesses, ça attire tout ce qui est richesse physique, matérielle. J'aimerais juste lire un passage, en fait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour qu'on voit bien qu'il est rentré dans la maison et non dans la mangeoire. Parce que souvent, on est dans une période de Noël, on nous montre que les mages viennent dans la mangeoire. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Je vais compléter ça tout à l'heure. Je vais vous démontrer que c'est anti-biblique. Les mages ne sont pas venus dans la mangeoire. Les mages sont venus dans la maison. Dans la maison. Matthieu chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc là, on parle des mages. En fait, lisez l'histoire un peu plus haut. C'est des mages qui sont venus, qui sont entrés dans la maison. Bon. Une autre histoire encore pour compléter, c'est que, bon, c'est juste une petite révélation, soit dit en passant, Jésus, à ce moment-là, il avait entre 0 et 2 ans. C'était pas un bébé, parce que Hérode va leur dire que tu es tous les enfants qui sont entre 0 et 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pourquoi aller aussi loin? Parce qu'il se dit que c'est dans cette période, dans cet âge-là. Parce qu'entre le moment où les mages voient l'étoile et le moment où ils arrivent, c'était des mois et des mois de marche. C'était un très long voyage, parce que ce n'était pas des mages qui vivaient à Bethléem. C'était des mages qui vivaient ailleurs. Donc, ils ont pris des mois avant d'arriver, environ 2 ans. Donc, quand ils arrivent, Jésus a environ deux ans. C'est pour ça que Hérode ne dit pas « Tuez-moi tous les nouveau-nés ». Est-ce que vous comprenez ça? Pharaon avait dit « Tuez tous les nouveau-nés », mais Hérode n'a pas dit « Tuez tous les nouveau-nés ». Parce que quand il va faire le calcul du moment où ils vont voir l'étoile, jusqu'à l'arrivée, il va se dire « Bon, l'enfant doit déjà avoir 2 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, tuez-le. Donc, il n'est pas dans la mangeoire. Donc, ce n'est pas la peine de pouvoir montrer Jésus dans la mangeoire et les mages venir donner des cadeaux. Ça inculque, vous savez, une mentalité bizarre dans la tête des gens. Et encore pour ajouter, par rapport à ce que le pasteur Gentil disait tout à l'heure, lorsque le jeune homme riche va venir voir Jésus, et il va dire à Jésus comment je peux faire pour hériter du royaume, en fait. Et là, le Seigneur Jésus va lui dire qu'il faut qu'il observe la loi, etc. Et il va dire, j'observais ça depuis mon enfance. Et on se rend compte, en fait, que simple fait d'observer la loi, ça l'avait rendu riche. Du coup, Dieu le regarda et l'aima. C'est ça. Le jeune homme a observé la loi, il est devenu riche et Jésus l'a aimé. Pourtant, si Jésus n'aimait pas la richesse, comme certains disent, Jésus n'allait pas l'aimer. Pourtant, Jésus l'aima. Ensuite, il va lui dire, va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi, parce que c'est la seule chose qui te reste. Pour que le Seigneur lui demande ça, c'est que lui-même, il a déjà fait. C'est ce que tu nous as enseigné, lui-même, il avait déjà fait, parce qu'il dit, parce que sinon, lui-même, il n'aurait pas hérité du royaume. Donc, s'il a hérité du royaume, c'est qu'il connaît comment on fait pour hériter du royaume. Vendre tout ce qu'on possède. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les disciples
vont dire, mais attends, parce que le jeune homme riche va partir, mais il va dire, mais attends, nous avons vendu tout ce que nous avons. Mmh. Nous avons tout abandonné, en fait, et nous t'avons suivi. Alors, et qu'est-ce qui va se passer pour nous, en fait? Le Seigneur Jésus va leur expliquer que, justement, il n'y a personne qui a quitté père, mère, etc., qui ne va pas hériter au centuple, bref. Mon point, c'était sur le fait que le jeune homme riche, Jésus lui a demandé de tout vendre, ce qui veut dire que Jésus lui-même avait tout abandonné. Et ça, qu'est-ce qui me permet de savoir qu'il avait des choses à abandonner? C'est que, non seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est que son père était charpentier. Or, charpentier de l'époque, c'était architecte d'aujourd'hui. C'était architecte d'aujourd'hui. C'était un architecte. Parce que le mot grec charpentier ici, c'est le même mot qui désigne architecte, faiseur de plans, dessinateur. C'est exactement le même mot, en fait. Donc, c'était en fait un architecte, et à l'époque, ces gars-là étaient des chefs de chantier, des chefs de main-d'œuvre, comment tu appelles ça, en fait. Les conducteurs de travaux. Les conducteurs de travaux, tout ça. C'est des gens, en fait, qui construisaient vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'il a construit non seulement beaucoup de maisons, mais beaucoup de bâtisses également. Ce qui veut dire que même en dehors de la richesse, de l'héritage, il avait déjà un boulot que son père, dans lequel son père l'a initié. C'est ça. Parce que c'était une époque où les parents initiaient beaucoup les enfants dans leur métier, etc. Donc, ce qui veut dire que c'était quelqu'un qui était riche, en fait, qui avait déjà même de la connaissance, mais qu'il avait tout abandonné. Parce qu'il ne parlerait pas de tout abandonner, il ne parlerait pas du fait que les disciples abandonnent tout, ils abandonnent leur métier, leur richesse pour le suivre, si lui-même n'a pas fait cet acte, en fait. C'est ça. Mais même par rapport au passage que tu as cité tout à l'heure, où il va dire qu'il va donner au centuple, ça concerne aussi la richesse. C'est ça. Parce que si tu abandonnes ce que tu as pour qu'on te donne 100 fois plus, ça veut dire qu'on va t'enrichir. C'est un investissement pour avoir 100 fois plus que ce que tu as déjà. C'est ça. Et donc, c'est ce que le pasteur Isaac a eu le plaisir de dire tout à l'heure. Le Seigneur a la matrice, c'est ça. Pour pouvoir multiplier ça. Il est très, très riche. Et s'il n'était pas riche, pourquoi les soldats se sont partagés sa robe? C'est ce que j'allais dire. Sa tunique. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi ils se sont tirés au sort sa tunique? Parce que c'était une tunique de grande valeur. Et d'ailleurs, même, c'est ça qui a scandalisé Jean-Baptiste. C'est ça qui a vraiment scandalisé Jean-Baptiste. En fait, comment on appelle ça? Le fait que Jean-Baptiste avait plutôt un ministère où il était dépourvu de beaucoup de choses, c'était exprès, parce qu'il faisait partie d'un mouvement qu'on appelait les Esséniens, en fait. C'était un mouvement qui pensait que l'homme de Dieu doit vivre dans les déserts, s'habiller de peau de bête, manger les criquets, vous suivez, ne pas bouffer la viande, végétarien. Et par rapport à ce que tu dis, apôtre, il y a quand même quelque chose qui monte dans mon esprit. Lorsqu'on voit Jésus traîner avec toutes ces personnes, on ne voit nulle part Jésus être perdu dans cet environnement. Voilà. On ne voit nulle part Jésus être perdu dans cet environnement. Voilà. C'est-à-dire qu'il se retrouve parmi des personnes qui sont dans l'opulence et Jésus est à l'aise dans cet environnement-là. C'est un environnement qui ne lui est pas étranger. C'est ça. Maintenant, ce qui l'amène de différent, c'est sa mentalité. Mais cet environnement-là n'était pas étranger à Jésus. Parce que quelqu'un qui est pauvre, lorsqu'il arrive dans un environnement de riche, on sent tout de suite qu'en fait, il est perdu. C'est pour ça que Jésus vraiment sur la mentalité. On voit vraiment que... C'est ça. Mais parce que nous, parfois, mais c'est vrai, nous les chrétiens, quand on parle de royauté, ça paraît un peu abstrait. On a l'impression que c'est quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas palper, alors qu'on doit le manifester. Ça doit être quelque chose de manifeste. Nous sommes issus d'une famille royale. Amen. Notre Père, le roi des rois, donc on va le manifester. Jésus était à l'aise. Même quand la dame va verser un parfum sur lui, là. Il ne va pas dire c'est quoi cette histoire. Voilà, il va me dire quel gaspillage. Je sais que c'est rien, parfum de 600 livres. Il ne dit même pas que non. Mais c'est comme ça que fonctionnent les rois. Les rois, c'est comme ça. Il ne va pas dire non, je vais peut-être choquer les disciples, d'autres personnes avec ce parfum. Non, il prend le parfum, il était à l'aise. Il avait son standing, il l'assumait. Et les miracles se produisaient avec ça. C'est-à-dire, là, il n'a peut-être pas sa maladie, il arrive, il a toujours la mentalité d'abondance. Il multiplie le pain et les personnes. Il ne dit pas, non, il a peut-être pas assez. Dans sa tête, j'en ai assez. Je suis issu d'une famille royale. Tout le monde peut manger là, parce que c'est mon standing, c'est mon statut. Et le miracle, c'est pour ça que davantage j'insiste sur l'aspect spirituel de la richesse. Et l'autre chose aussi qui démontre que Jésus était riche, pour aller un peu dans le sens du pasteur Isaac, c'est que Jésus, enfin, les riches en général, n'ont pas la mentalité du manque. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils se servent. C'est vrai.
Et c'est comme ça qu'on va voir Jésus, il va voir le figuier, il a faim, il voit un figuier, il y va. Mm-hmm. Il ne se pose pas de questions. Ce n'est pas la saison, mais ce n'est pas son problème. Mm-hmm. Et c'est ça la mentalité du riche, en fait. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce qui peut le bloquer. Tout est possible, en fait. C'est-à-dire qu'il achète ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il se sert là où il veut, en fait. Et du coup, il va vers le figuier, il sait que ce n'est pas la saison. Mais il veut quand même des figues. Ouais. Et le figuier n'a pas de figues, il s'énerve. Il maudit le pauvre figuier, alors que ce n'est pas la saison. C'est-à-dire qu'il estimait que le figuier était censé lui donner ce dont il a besoin. Pourquoi ? Parce qu'il ne doit rien manquer. En fait, on ne doit pas lui dire non. On ne doit pas lui mettre un stop. Quand il veut, il se sert, en fait. C'est même ce qu'il va dire, d'ailleurs, avec lorsqu'il va envoyer ses disciples chercher l'anneau. En fait, il va dire, en fait, quand vous allez me le chercher, si on vous pose des questions, dites « le Seigneur en a besoin ». Mais attends, mais qui est-il ? Le Seigneur en a besoin, ça devrait être suffisant. On ne peut pas dire ça de quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas riche, qui n'a pas de, comment on appelle ça, de la renommée, en fait. Et pour pouvoir dire ça, c'est que ces personnes-là allaient comprendre, ah, si c'est le Seigneur, ok, allez-y, prenez. Or, si c'est personne, si c'est un pauvre, on ne va jamais répondre comme ça. On ne va jamais répondre comme ça. Pauvre, il n'avait vraiment pas cette mentalité de manque. Pour lui, j'ai tout temps, même avec le figuier, ce n'est pas la saison, mais il a vraiment la mentalité du ciel, que moi, je mange tout temps. Il n'avait même pas la mentalité que je n'ai la fin du mois, le salaire à la fin du mois. Jésus n'avait pas cette mentalité-là. Il avait vraiment la mentalité de riche. On comprend pourquoi il va dire que non, moi, je ne suis pas la terre, je viens d'en haut, je viens du ciel, parce qu'au ciel, je dis et ça apparaît. Je pense au ciel, c'est ça. Quand tu dis, ça apparaît. Et c'est ce qu'il va faire avec le figuier. On voit bien qu'il répond même au figuier, parce que la Bible dit, il va répondre. Le figuier va dire à Jésus, c'est pas la saison. Ici, là, c'est des cycles et saisons. C'est pas la saison pour moi de produire des figues. Mais la Bible, Jésus va répondre au figuier. Pour dire au figuier, moi, je fonctionne avec un autre système. Je viens d'en haut. Je ne fonctionne pas selon le système de la terre. Au ciel, c'est tout temps, l'abondance c'est tout temps. C'est pas cycle et saison, il y a une dimension supérieure où je peux manger tout temps, tout temps, tout temps. C'est pour ça qu'il va, il va maudire le figuier. On peut même se dire, ben, c'est lui le créateur, c'est le fils de Dieu, il sait quand même que par exemple, un manguier, il y a une période des saisons où il fleurit, et ensuite il y a des mangues. Mais comment il va blâmer le pauvre figuier pour montrer qu'il avait la mentalité de l'abondance tous les jours, tout le temps. C'est ça. Et c'est ce qui va lui permettre d'expérimenter l'abondance. Encore une fois, cette affaire de multiplication des pains, là, et l'affaire avec Pierre, là, moi, ça me marque beaucoup. Et seulement avec ça, l'or et l'argent peuvent être tirés vers Amen. Nous. J'ai deux autres arguments encore. Au moment où il demande, est-ce qu'on doit payer les impôts ou pas, en fait. Il va demander à qui est réfugié, etc. Il va envoyer Pierre pour aller pêcher le poisson. En fait, un pauvre va commencer par argumenter dans le sens de « oui, mais bon, on n'est pas censé payer, ça, parce ça. Qu'ils sont venus, ils se sont imposés à nous, c'est romain, machin. » Lui, il n'a aucun problème. Lui, il n'a pas de problème avec ça. C'est quoi, il faut payer, ok, on paye. C'est quoi le problème ? C'est quoi, c'est l'argent qu'il faut. On ne va pas les choquer, Donne l'argent si c'est l'argent qu'il faut, donc c'est bon, ne fatiguez pas avec les histoires comme ça, quoi. Premièrement, donc c'est que lui, il n'a aucun problème pour payer, en fait. Deuxièmement, c'est que je suis quand même touché par le fait que il n'a pas été enterré dans n'importe quel tombeau, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, un riche est venu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on reconnaît les tombeaux des riches et des pauvres. C'est vrai. C'est-à-dire que les pauvres ne les enterrent pas au même endroit que les riches, c'est en fait. Vrai. Et le simple fait de voir là où il était enterré nous dit beaucoup, en fait, sur les standings de l'homme. C'est ça. Ou du moins de la classe de cet homme, ça, en fait. C'est ça. Et le simple fait que on est payé, non seulement pour son tombeau, mais pour le faire descendre, parce qu'on ne voulait pas le faire descendre. Quelqu'un a dû payer, quelqu'un a dû convaincre, on a dû parler, en fait. Et tout ça, c'est que des personnes influentes. C'était un riche. Les personnes influentes ne vont pas essayer de se connecter avec des pauvres. C'est vrai. Les influents, des personnes qui influencent se connectent avec les personnes qui influencent plus, ou sinon au même niveau qu'eux, sinon riches, en fait. Exactement. Et on sait que l'argent fait partie des premières choses qui déterminent une personne qui influence, en fait. Donc, du coup, le simple fait d'avoir qu'il a été enterré là-bas, pour moi, ça parle beaucoup, en fait. On va laisser peut-être le pasteur gentil, parce que ça fait un moment là, il n'a pas parlé, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui, je pense que ça serait pas mal, effectivement. Oui. Bonne idée. Bonne idée.
Tout à l'heure, le pasteur Isaac parlait de l'histoire où Jésus va multiplier les pains. Il y a quand même une précision que nous donne la Bible. La Bible va nous dire qu'ils avaient 200 deniers en épargne. Et si on sait qu'un denier, c'est le salaire d'un jour, donc 200 deniers, on est en train de parler d'un salaire des mois. C'est donc ça. Ça veut dire que même Jésus avait une épargne. Ça veut dire que même si c'est vrai qu'il ne va pas puiser dans son épargne pour payer les impôts, mais financièrement, il n'était pas dans le manque, en fait. Ce n'était pas quelqu'un qui était là si aujourd'hui il fallait financer et prendre dans l'épargne. Jésus n'avait pas de problème avec ça. Donc c'est pour ça que Jésus va emmener ses disciples plus loin que l'épargne. Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples vont se référer à l'épargne. Jésus va dire, je ne vous parle pas d'épargne, je vous parle de la foi. C'est ça. Je suis en train de vous parler d'une autre dimension. En fait. Pourquoi? Parce que la richesse ne dépend même pas de notre épargne, elle va dépendre de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est ça que je voulais ajouter par rapport à ce que... Vraiment, c'est même quelque chose que l'apôtre nous a souvent enseigné, que parfois, par rapport aux besoins, quand on ne regarde pas souvent l'épargne, il n'est pas même pas puiser dans l'épargne. C'est ça. Parce que puiser tout dans l'épargne, c'est une preuve de manque de foi. Que tu ne développes pas ta foi, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, OK, gloire à Dieu. On vous amène, on vous amène quelque part dans cette série sur comment le chrétien et les affaires. On vous amène quelque part là. On voulait vous démontrer que Dieu n'est pas pauvre, que Jésus n'était pas pauvre. Au prochain épisode, on va vous démontrer que les apôtres n'étaient pas pauvres. On vous parlera des chrétiens dans la Bible qui étaient riches. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient très riches et qui étaient très efficaces. Et nous allons vous dire qu'un chrétien qui a des finances va mieux servir Dieu qu'un chrétien qui n'a pas de finances. Je sais que quand on dit ça, certaines personnes veulent nous lapider, mais je vous assure, tout le... ah non, mais c'est clair, tous les ministères qui réussissent aujourd'hui... Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui parce qu'on a les moyens de pouvoir faire cette émission-là et on a les moyens d'arriver chez vous. Est-ce que vous comprenez? Si on était pauvres, on n'avait même pas de quoi acheter une caméra, de quoi diffuser, machin. Vous voyez un peu? Vous n'aurez pas reçu cette parole-là, en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à faire ce que nous faisons parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, on va le faire. Cette émission vous a certainement béni. Je vous invite maintenant, si vous la regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube Évangile TV maintenant. Yes. Cliquez sur s'abonner et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en étant partenaire, en nous envoyant un numéro de téléphone, en nous envoyant au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant un message WhatsApp. Vous nous dites, je veux soutenir financièrement cette émission, je veux soutenir financièrement la chaîne. Envoyez le message WhatsApp et l'unique numéro, c'est celui qui s'affiche maintenant, il n'y a pas d'autre numéro. Si vous avez des sollicitations des gens avec un autre numéro, ce n'est pas nous. On a un seul numéro WhatsApp. Mmh. C'est celui qui s'affiche maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur Gentil, le pasteur Darius. Je vous dis à bientôt dans la prochaine émission Pendule à l'heure.